Rien de suspect. Fausse alerte. Ah, à terre, vite! On nous attaque! C'est incroyable comment on peut faire le plein d'énergie en ratissant les boutiques. Je suis en pleine forme. C'est peut-être parce que t'as amené ton mulet pour porter tes paquets. Tu penses pas que ça joue, Clover? C'est vrai qu'il est serviable, mon Randy. Attends, ma Luciole, bouge pas, je reviens. Je vais chercher la voiture. T'es sûr, Randy? Bon, bah, puisqu'il insiste. Franchement, t'abuses, c'est cruel de profiter à ce point de sa gentillesse. C'est quoi sa fonction exacte? Petit ami dévoué ou porteur? Il est polyvalent. C'est pas ma faute si les garçons me trouvent si irrésistible qu'ils me traitent comme une princesse. Wouah! Ça, c'est du service rapide. Pas question de faire attendre la fille la plus ravissante de Beverly Hills. Oh, Randy, t'exagères, je sais que je suis sublime, mais tout de même. Et nous? Tu peux nous dire où on va s'asseoir? Ben, à l'avant, avec moi. Et il va se mettre où, Randy? Oh, ne vous en faites pas pour moi, je prendrai le bus. Vous voyez, il est plein de ressources. Clover! Quoi? Ça lui est totalement égal. Ou alors, vous vous décidez à monter? Au revoir, Clover! Tu devrais avoir des remords à le laisser prendre le bus. T'es pas gênée de faire ça? C'est une honte. Rassure-toi, j'ai des remords. J'aurais dû lui dire de passer prendre mes vêtements au pressing avant. Ça vous dit de passer l'après-midi à la plage? C'est pas une bonne idée, ça se couvre. Regardez ce gros nuage gris. Oh, hein? C'est pire qu'un gros nuage gris. C'est le whoop. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. On vous laisse dorer au soleil. Navré de retarder une importante séance de bronzage pour une simple mission d'espionnage. Super, on se croirait dans un cinéma en plein air. Sauf qu'il n'y a pas de pop-corn ni de beaux garçons à embrasser. Les filles, voulez-vous vous concentrer? Pardon. Alerte intrusion. On ne bouge plus. Comme vous pouvez le voir, on est entré par effraction dans une base militaire de haute sécurité au Nevada. Et on a dérobé des puces ultra-secrètes d'intelligence artificielle. Effrayant, Steve. La situation peut effectivement devenir grave si les puces tombent aux mains de gens peu scrupuleux. Donc, il faut retrouver les cambrioleurs de toute urgence. Exact. Passons à vos gadgets. Lunettes de soleil à détecteur infrarouge, ceinture bungee à câble extensible, perfobot au titane, faux ongles rétractiles émaillés de vernis bleu indigo, et enfin baladeur à effet de champ électromagnétique. C'est du luxe de pouvoir travailler en musique, je vais pouvoir assommer les cambrioleurs en rythme. Rampez les filles, ça c'est en langage militaire, sinon c'est bon vent. Vous avouez que les puces d'intelligence artificielle? Affirmatif. Et ce petit trou est la seule trace d'effraction dans la base? Exact. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas assez grand pour que quelqu'un puisse s'y glisser. Ou alors ce sont des souris qui font de la contrebande. T'as vu ça où? Bah quoi, ça existe non, les souris mutantes? Pourquoi quelqu'un voudrait s'approprier ces puces selon vous? Peut-être pour fabriquer un robot ou bien pour mettre au point une arme intelligente. On nous a volé des puces du même genre l'an dernier. Bien, commençons par chercher des indices. Une seconde. Qu'est-ce que c'est? Là, je peux vous renseigner. Il s'agit d'un casque standard de combat, mais version miniature. Toi, t'as du bol. Ta théorie des souris cambrioleuses semble moins ridicule. J'ai de l'intuition. Envoyons-le à Jerry. Il pourra peut-être nous éclairer sur sa provenance. Ceci est un accessoire pour figurines faisant partie des jouets haut de gamme. Ces personnages fabriqués en série limitée s'appellent Chuck et Betty Combat. Que faut-il en déduire? Que ceux qui ont subtilisé les puces ont apporté leurs jouets avec eux? Oui, apparemment c'est le cas. Mais c'est pathétique! Voilà que maintenant les truands retombent en enfance. Bon, où peut-on se procurer des exemplaires de ces poupées, Jerry? Ils sont en vente dans un seul magasin à ma connaissance. L'univers du jouet à Burbank, en Californie. Compris. Départ immédiat pour Burbank. Terminé. Rapport suivra. C'est là la porte, Clover. Je regarde mes appels en absence. Oh, il se croit seul au monde, celui-là. Randy s'est permis de me laisser 35 messages. Mais je croyais que t'étais contente d'avoir un valet à ton service et d'être traitée comme une princesse. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour encombrer ma boîte vocale. Il me l'a saturée. S'il la monopolise, il va m'empêcher d'avoir une vie sociale normale, c'est grave. Est-ce qu'on pourrait expédier cette mission avant de pleurer sur ta vie mondaine? Oui, c'est vrai, le cambrioleur infantile qui opère avec ses jouets. Zou, on s'en occupe.
sympa ces jouets. Mais quel rapport avec le cambriolage de la base militaire? Et surtout avec celui des puces d'intelligence artificielle. Si ça s'annonce comme ça, on abandonne. Vous croyez qu'il est trop tard pour la plage? Artificielle. On continue les explications ou on sort en vitesse? On ne sort pas sans mon autorisation. Ah, à vos ordres. Parfait, ça me facilitera la tâche. Attrapez-le. J'aime pas les puces, je suis allergique. Je vais te passer, salut. Attrapez-la, personne ne s'enfuit. J'ai pas une tapette à mouche sous la main, toi! Et oh, ça suffit! Hé, lapin, là! Pas de touche à mes cheveux, ça me fâche! Viens par ici, ma puce! Hé! Hey! C'est fini entre nous, je préfère rompre. Ah. Oh non, pas ça! On s'en est bien sorti, hein? Tadlimas, sortez la Jeep. Je veux plus jouer! On a des blessés, envoyez l'ambulance. Ça fait diversion, profitons-en, filons! Excellent! Elles sont prises au piège. Plus d'issue. Ah, on est coincé, on fait quoi? On espère un miracle, Alex! Un miracle peut prendre la forme d'une fourgonnette? Montez vite! Ben oui, faut croire! Appel aux forces aériennes, pilonnez ce véhicule! C'est compliqué. Non. Attention. L'avantage, c'est qu'on se retrouve dans une décapotable. J'ai une stratégie. On va s'en débarrasser. Bien joué. S'il vous plaît, on peut savoir qui vous êtes? Je m'appelle Seth. Je suis créateur de jouets. J'ai deviné, c'est vous qu'on doit remercier pour avoir inventé ces petits monstres offensifs. C'est moi qui les ai conçus.
Un jouet, c'est fait pour s'amuser. Vous êtes sûr que vous faites bien votre métier? Elle a raison. C'est quoi cette puce que j'ai trouvée dans le corps du dinosaure? Fais voir. Le scanner a identifié une batterie de microprocesseurs alimentée par une source d'énergie interne extrêmement puissante. Le seul organisme à détenir cette technologie, c'est l'armée. Étrange, non? Vous avez une explication, Seth? L'an dernier, je leur ai emprunté quelques puces pour faire de mes soldats les jouets les plus réalistes du marché. Vous avez dit emprunter? Je suis pas sûre de vous croire, là. D'accord, je les ai volées, mais je vous jure que je ne les imaginais pas si puissantes. Jamais je n'aurais cru que mes jouets réagiraient comme ça. Ils ont acquis un comportement autonome et plus qu'agressif. Si je comprends bien, ce sont vos jouets qui se sont introduits dans la base. Oui, je n'arrive plus du tout à les contrôler. Voilà qui expliquerait les petites dimensions de la percée dans le mur et la présence du casque sur les lieux. Maintenant, ils utilisent les puces pour créer une armée de jouets. Ça va leur servir à quoi? Je ne sais pas, il faut le découvrir. Et franchement, j'avoue que ça me fait peur. Oh! Andy? Tu m'as retrouvé comment? Ah, ça, crois-moi, ça n'a pas été facile, fallait le vouloir. Tenace! Pourquoi t'es là, hein? Je tenais à t'apporter un pull, ça t'évitera un rhume. Il fait doux, mais les nuits sont fraîches. Ah! Andy, est-ce que tu peux me rendre un immense service? Comment dis-je, j'obéirai, ma Luciole? Je suis en train de régler une affaire hyper importante, alors débarrasse-moi le plancher, s'il te plaît. Oh! Avec plaisir! À tout à l'heure! Je craque, j'avais choisi un chevalier servant, pas un autocollant! Traitons les choses par ordre de priorité. On doit neutraliser ces jouets féroces. Pour ça, faudrait savoir où ils se cachent. Ils ont dû regagner l'entrepôt après la course-poursuite. C'est leur QG. Alors perdons pas de temps. On y sera peut-être avant avec un peu de chance. Pourquoi faut-il qu'on s'introduise en douce dans l'entrepôt de Seth? Pour éviter de tomber dans une embuscade. Oui, on a eu assez de mauvaises surprises pour aujourd'hui. En entrant par le haut, on a une vue d'ensemble. Personne en vue. Scanne les locaux pour être sûr que la voie est libre, Alex. Attention, je distingue un attroupement suspect juste en dessous. On fonce dans le tas, pas de quartier. Je vous fais un tarif de groupe. Pourquoi ils se défendent pas, ils capitulent? Ce sont sûrement d'anciens modèles basiques. Ils ne sont pas équipés de puces. Tout ça pour rien? On aurait pu entrer par le rez-de-chaussée. C'était un piège. Soldats, capturez-les! C'est surréaliste, tu regardes les choses avec du recul. Mais c'est pas facile d'en prendre. Pas de bavardage, les prisonniers de guerre n'ont pas le droit à la parole. À mon commandement, garde à vous. Avec lui sur mes épaulettes, ça va faire un peu désordre. Bonne stratégie, mon général. Vous les avez jetés dans la gueule du loup. Mais je n'ai aucune stratégie. Vous pouvez compter sur notre division. Elle va accomplir sa mission finale, l'attaque du siège des Pays-Unis. Vous allez toucher des innocents. Ce n'est pas loyal, sergent. Déposez les armes, c'est votre général qui vous l'ordonne. Traître! Saisissez-le et mettez-le aux arrêts! Je vous relève de votre commandement. Nous annexerons le monde sans vous, général. C'est d'un banal, encore un mégalo qui veut dominer le monde. Super pour un type qui ne vit que depuis 2 jours. Quand il faut mener les hostilités, bravo, le sergent assure. Ce qui arrive est ma faute. Je n'aurais jamais pensé que ces jouets deviendraient si dangereux. Justement, à propos de danger, vous croyez que ces mines sont factices ou réelles? Ça répond à ta question, Alex. Ne vous en faites pas, je vais arranger ça, c'est à moi de vous sortir de là. Pour commencer, il faudrait atteindre cette table. Alors on essaie. Ça marche encore un peu, c'est gagné. Oh,
je vais vous guider à travers ce champ de mine. Mettez vos pas dans les miens. Là, doucement. C'est pas rassurant, ce voyant rouge. Non, à mon signal, encore. Oh. Vous êtes prête? Attention. Sans vouloir vous vexer, il est un petit peu trop explosif pour moi, votre parc d'attractions. Les filles, le siège des Pays-Unis est encerclé par des forces hostiles au moment même où se tient un important sommet pour la paix dans le monde. Sa réussite dépend de vous. On s'en charge. Mais auparavant, on a quelqu'un à vous livrer, Jerry. Je viens le chercher. Je vous ai parfaitement localisé. Désolée, Seth, mais quand on va trop loin, on le paie souvent de sa liberté. Venez, les filles. À l'évidence, il contrôle déjà le bâtiment. On n'a jamais droit aux portes d'entrée. Oh, on avait le choix. Pourquoi avoir décidé d'entrer par les égouts? Sam, je rebrousse chemin si on arrive dans les toilettes. Oh, il ligote des délégués du sommet pour la paix. Il faut les détacher et les évacuer très vite. C'est quoi son but à ce dictateur de poche? Sûrement d'utiliser le siège des Pays-Unis comme base stratégique pour envahir la planète. L'idée d'un monde dirigé par des jouets m'a toujours séduite. Je trouvais ça cool, mais maintenant je révise mon jugement. Il n'y a qu'une chose à faire, mobiliser cette armée une bonne fois pour toutes, et d'urgence. Clover, tu viens avec moi. Pendant qu'on occupe les petits soldats, toi, Alex, tu libères les otages. Les ongles rasoirs rétractiles devraient suffire à maîtriser ce petit tyran. Ça, ça va mettre l'armée en déroute. Ah, bah bravo, génial, c'était le moment de te casser les ongles. Les espionnes, éliminez-les! Oh non, vite! Attention, il passe à l'artillerie lourde! Ça va aller, pas de panique, je suis là pour vous sauver. Je viens d'avoir une idée, mon usine à trouvailles est jamais en grève. Oh, et eux, y'en a marre, hein. Moi, je préférerais jouer à la dinette ou à Colin Maillard. Par ici, les bolides, c'est dans vos cordes, les cibles mouvantes. Sauvez-vous, faites vite. Bon, vous voulez jouer à la bagarre? D'accord, ça va barder. Sergent, fin des opérations. C'est ça l'ennemi, à l'attaque, peloton. Pourquoi Seth fait des jouets d'aussi bonne qualité? Ils sont inusables. Tenez bon, les filles, j'ai un renfort. Cette fois, vous êtes à ma merci. Se désactive, mais bien sûr, c'est l'effet du champ électromagnétique. Alex, envoie-moi le baladeur. Sergent, fin de la partie. Au revoir. Oh non. Vas-y. Joli travail, les filles. Grâce à vous, les jouets rebelles n'exerceront pas leur empire sur le monde. Dites comme ça, je trouve que cette déclaration perd un peu de son côté solennel. Seth doit vraiment aller en prison, Jerry? Il a volé des technologies militaires secret défense. Mais, par ailleurs, il vous a sauvé la vie. C'est pourquoi je vais demander à ce qu'on lui assigne une peine de travaux d'intérêt général. Qu'est-ce que tu fais devant ma maison, Randy? Je lave ta voiture, ma luciole. Il me reste un peu de temps après avoir fait tes devoirs, alors je t'ai confectionné des macarons. Randy, suis-moi, faut qu'on parle. À cause des macarons?
T'es allergique aux amandes? Non, ça n'a rien à voir, viens t'asseoir. Le souci, c'est nous deux. Je supporte mal qu'un garçon soit trop prévenant. Ça me met sur les nerfs. Tu me largues? Je sais que c'est injuste envers toi, mais je veux un petit ami qui ait une forte personnalité, qui sache s'imposer, pas un petit joujou obéissant. Alors, tu sors plus avec moi? Non, mais on reste copains, y a pas de lézard, Andy. Bon, d'accord. Je te laisse, faut que je règle un truc urgent. Je dois trouver une copine pour le concert des Teen Cycles ce soir. Le concert des Teen Cycles? J'ai deux places, premier rang. Oh, t'inquiète, c'est pas grave, au revoir. Randy! Attends, je me suis trompée. Je veux qu'on reste ensemble. Randy, s'il te plaît, reviens. Je serai gentille. Je ferai même ta lessive si tu veux.